est l'histoire d'une blague. Renaud Rutten. C'est un couple de motards. Ils sont tous les deux motards. Ça fait des années qu'ils sont motards. Et tu sais, ils ont eu une vie trépidante au début. Hein. Et puis à un moment donné, ça se tasse. Et alors, soit tu changes, soit tu restes, mais ça se tasse, quoi. Et donc voilà, ils sont à eux deux. Et un jour, le gars, il va dans un magasin d'articles de moto et il trouve une paire de bottes, mais magnifiques, quoi. Les bottes dont il a toujours rêvé, tu sais, en cuir, mais pointues. Tu dirais des Santiago, mais c'est pas vraiment les Santiago, elles résistent à l'eau. Enfin, le gars, il est tout fier de ses bottes, et rentre chez lui, tout content avec sa paire de bottes, et il marche dans le salon. Sa femme ne le regarde pas, évidemment. Et l'autre, il marche dans le salon, tu sais, il fait bien du bruit avec ses bottes, et ne voit rien. Tu te dis, merde, nous, Dieu. Et 300 euros la paire de bottes. Il monte dans la salle de bain, il se fout complètement en poil, mais il remet ses bottes. Et il descend tout content dans le salon. Avec ses bottes. Et il tourne dans le salon avec ses bottes. Et sa femme ne regarde pas. Et dit, dis, tu ne vois rien. Elle regarde d'un air distrait comme celle-ci. Ben, si je vois qu'elle pend, elle a toujours pendu, elle pendra toujours. Mais évidemment, imbécile, c'est parce qu'elle regarde. Mais bon, et sa femme fait, c'est mieux fait d'acheter un casque.